Salut, bienvenue à tous les matinaux. Enfin, matinaux, bon, on est quand même 10h, mais à tous ceux qui arrivent à se réveiller le dimanche. Je vous propose de faire encore un petit peu de chasse aux bugs aujourd'hui. C'est l'occasion. Et on va commencer un petit peu par de la config Nginx. J'aimerais bien fixer un problème que j'ai depuis un petit moment avec la limitation. Si vous voulez, en fait, le souci que j'ai, c'est que je bannis des utilisateurs sans trop de raison. Un petit peu trop rapidement. Donc j'aimerais bien corriger cette limite-là. Et le meilleur manière de le faire, ça va être de tester un petit peu les différentes configurations qu'on peut avoir. Donc l'avantage, c'est que j'ai déjà ça. J'ai déjà. Donc j'aimerais bien l'essayer en fait avec la config Nginx de Docker que j'ai en local, ce qui me permettra de faire des tests facilement. Donc là, on va aller créer un nouveau fichier qu'on va appeler demo.php. Et dedans, on va lui dire d'afficher Hello World. Voilà, ce sera notre petit fichier de test. La question, c'est comment on va pouvoir modifier ça. Donc, je vais me connecter au Docker web. Bash. Comment je l'ai appelé? J'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon petit week-end, que vous avez prévu de faire un truc bien ce dimanche. Là, sur Montpellier, on dirait qu'il va pas faire beau. Donc ça va être week-end. Hier ça va, hier il faisait beau, c'était cool, j'ai pu prendre l'air. Mais aujourd'hui, ça s'avère un petit peu plus périlleux. Alors, il est où notre conteneur web? Il est là normalement. Pourquoi tu me laisses pas le lancer? DE web, Docker Compose exec, web, bash. Ah, ok. Donc là, on va se rendre dans slash etc, slash nginx, et on a le conf.d, lsconf.d. Et ce conf.d, normalement, si on regarde le fichier de conf principal, je suis pas sûr qu'on ait Vim en fait, ouais. Un petit nano? Voilà, on a que dalle. Ce qu'il va falloir faire, c'est dans le conf.d, mais en même temps je peux cat en fait, ou même on va tail, nginx.conf. Je suis pas allé dans le bon dossier, oui. Autant pour moi. Possible de faire travailler Ajax avec CakePHP? Ouais, il n'y a pas de souci. Tu peux. Ajax, ça marche avec n'importe quoi. Non, on n'a vraiment pas d'anneau. Ouais, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer tail. Nginx.conf. Voilà, donc ça, ici, ça inclut le dossier là. Donc ce que je vais faire, c'est que dans le dossier conf.d, qu'est-ce qu'on a? On a juste default.conf. Donc je tenterai bien de créer un nouveau fichier de configuration. Je le mettrai. Voilà, racine. On l'appellerait nginx.conf. Ouais, ok. Et à l'intérieur, on va y mettre ce que j'avais mis pour mon nginx.conf ici. Vous allez voir où je veux en venir. Hein. C'est un petit peu abstrait là pour l'instant, mais ça va être beaucoup plus clair dans pas longtemps. Dès que j'aurai compris où est-ce que j'ai foutu ça. Donc toute la config Nginx que j'ai envoyée en ligne, elle est dans les templates, elle est ici. Donc j'ai un rect limite tout en haut, ici. Voilà, donc je crée des zones et j'ai deux zones, une pour le login qui sert pas, je crois, et une qui sert en fait pour la partie générale du site. Donc là, on va juste faire ça là. Voilà. On est d'accord, il suffit juste de faire ça. Et normalement, ensuite, il faut monter ça dans le conteneur. Donc, dans le conteneur Nginx, on va lier cette configuration-là. On va la lier. Donc, c'est nginx.conf. Ah ben non, je suis con, elle est déjà là. Ah, attendez, je suis en train de comprendre un truc. J'ai pas besoin de séparer un deux fichiers, je pense que la limite je peux la mettre là-haut en fait. Hop.
Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire volontairement les bourrins. C'est-à-dire que là, on va limiter la zone à une requête toutes les secondes. Ce qui devrait fonctionner. Et ensuite, on va aller modifier notre vhost pour lui rajouter sa limite. Donc le vhost ici, moi, dans mon cas, limite. Voilà. Ici, on limite le nombre de requêtes. On a la zone main qui correspond à ce qu'on va mettre ici. Et ensuite, donc là c'est bien main, ok. Bon, ça on s'en fout, ça n'a pas d'importance, on va être un méga. Et le serveur, du coup, on va dire que pour tous les locations qui sont du PHP, paf, on applique notre limite et on autorise un burst de 1. C'est-à-dire que normalement, il n'y a qu'une requête qui peut passer par seconde. Je ne sais pas si on peut mettre un chiffre comme ça, 0,1 requête par seconde. J'aurais bien mis ça en fait. Je sais pas si dans la doc ils expliquent. Est-ce qu'on peut mettre des minutes aussi? Ok, 10 requêtes par minute. Ok, rate Nginx. Problème de son à quel niveau? Attendez, c'est sur YouTube que vous dites qu'il y a un problème de son? Non, j'ai pas de soucis, j'entends bien mon son. Appuie sur le petit bouton pour mettre le son. Alors la question, c'est quelle unité on peut mettre? Non, non, c'est, je pense que c'est les. Hop. Alors là, j'essaie de comprendre en fait si je peux mettre des secondes ou des minutes ou quoi que ce soit, mais c'est pas très clair. Hein. Je tombe sur mon tuto, ce truc relou. Non, là, ça va être un slide, ouais, je m'en fous. Très bas chez moi. Ouais, mais le gain est activé, donc je peux rien faire. Trois requêtes par minute. Si je mets 60 requêtes par minute, ça fait une requête par seconde. Ça fait 30. 60 divisé par 5. 12 requêtes par minute. On va mettre ça, 12 requêtes par minute. Alors l'idée, c'est de mettre volontairement un ratio qui est quand même assez long pour pouvoir tester facilement ça et voir comment ça se comporte en fait. Voilà, donc là, je pense qu'on est bon au niveau de la config. Ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. J'ai autorisé un burst de 1. Ok, on va couper et relancer. Je vais rapprocher, mais. Donc là, j'essaie de me connecter à demo.php. Que j'ai bien créé dans le dossier public. D'accord. Ok, donc là j'ai ma page qui se charge quasiment instantanément. Et si je réactualise, voilà, on voit que la seconde fois où je recharge la page, ça met normalement 5 secondes. Si je regarde ici, je vais avoir à peu près 5 secondes. Donc là le burst fonctionne bien et ne m'autorise pas à finalement charger deux fois la page parce que j'ai une limite, une limite qui est posée à 5 secondes. Donc entre chaque chargement de page, je dois attendre 5 secondes. Donc là, j'essaie de bien comprendre comment fonctionne ce système de burst. On imagine que maintenant, j'autorise l'utilisateur à faire trois requêtes consécutives dans un truc. Je redémarre. Hello, sur ton nouveau site, dans le menu live, on aura l'état du live en cours. Ouais, il faut que ça devienne rouge quand on aura un live en cours, quoi.
là, ce que je vais faire, c'est que je vais séparer ma fenêtre comme ça. Et on va reséparer comme ça. Voilà. OK. Donc là, notre truc est démarré. Et j'ai mis un burst. Alors on va le laisser poireauter. J'ai mis un burst donc à 5 secondes. Et je peux en balancer combien? Je peux en balancer 3. Donc la question c'est est-ce que j'ai un délai ou pas? Donc je réactualise. Donc on voit la première est arrivée instantanément. Et les autres, elles arrivent une fois toutes les 5 secondes. D'accord. Donc ça correspond bien à l'hypothèse de départ, c'est que donc il y met en file d'attente. Si je réactualise comme un port, j'obtiens une page introuvable au bout d'un moment. Ok. Donc le burst n'empêche pas le délai. Donc ça c'est le dernier point. Si je reviens sur la doc. Trop d'onglets. Et en fait, apparemment, il y a un nouveau truc qui n'existait pas au moment où. Oh, merde. Au moment où je l'avais vu, c'était le délai là. Donc là, j'ai ma zone. Ok. Et là, je peux avoir un délai. Alors, the delay parameter define a point in which, within the burst size, excessive requests are throttled to comply with the defined rate limit. Donc, globalement, the first where the value of delay are proxied without delay, the next four requests, 4 plus 8, OK. Donc, ça veut dire que globalement, si on autorise. Alors, il faudrait que je regarde sur une page en moyenne. On va aller sur la bêta. On va aller sur une page, genre celle-là, là. Et on va regarder à peu près combien de ressources sont chargées par le serveur. Donc, je vais aller dans Network et je réactualise la page. Donc, là, par exemple, si on regarde dans la partie. Alors, je ne sais pas si on peut filtrer par. Beta.graphicard.fr. Ouais, ça a l'air de filtrer vachement quoi. Alors globalement, on a cette requête, ça fait une. Potentiellement deux, trois images. Donc ça doit faire 5. Je pense qu'on va faire ça du coup. On va se dire que. Le délai, ça s'écrit comment? Délai 10. Donc les premières 10, elles se font sans délai. Donc je limite à 10 requêtes par seconde pour un utilisateur. Et là, en fait, j'ai mis un burst de 10 en ligne. Ce qui fait qu'en fait, vous avez quand même un délai dès la base, en fait, ce qui n'est pas bon. Du coup, moi, j'aurais plutôt tendance à lui dire, tu peux prendre les 10 premières requêtes tranquillou, mais on a un burst de 20. Donc ça veut dire que tu peux balancer 20 requêtes et elles arrivent avec un petit délai à chaque fois de 100 millisecondes au pire quoi. Voilà. Donc là ça permettra normalement d'aller un petit peu plus vite et surtout de crasher beaucoup plus tard. En fait, c'est vraiment quand vous spammez vraiment le serveur que ça doit agir. Better if you will use rate limit with Redis. Because it's most flexible than just Nginx in memory without key value. Ouais, mais attends, j'en suis pas là, moi. Hein. Malheureusement, je suis pas expert en config et rien que ça me paraît pas mal en fait, pour déjà limiter un petit peu la casse. Ok, donc là, on va fermer et on va revenir un petit peu sur notre petite chasse aux bugs. Donc, l'autre truc que j'aimerais bien corriger aussi, c'est. Alors, ça, on va corriger. Dans la partie tools, on va revenir ici. Donc on va désactiver ça. Ou à la limite, on va la. Ouais, non, pendant le dev, ça va être chiant si on l'a cette limite en fait. Et je regarde juste. Hop, hop. Ouais. On va aussi modifier la nginx conf et enlever la login. Voilà, parce que je crois pas que je l'ai quelque part. Elle était sur l'ancien site et pas sur le nouveau, donc ça sert à rien. On enlève cette limite, on enlève ça. Je redémarre mon serveur nginx et on est parti. Donc là, je vais mettre un contrôle K. Ça, on va le supprimer. Donc je vais rollback, delete. Voilà, hop. Le content repository, c'est quoi? Ah oui, c'est le changement nginx et OK. Donc là, on va être fixe nginx rate limiting. Amélioration
du système de throttle, oula, de Nginx. Alors, maintenant, ce que j'aimerais bien corriger, c'est tout simplement la page formation. Effectivement, des gens m'ont fait le signalement comme quoi les pages, globalement, elles font très gros. Et c'est quelque chose que je ressens aussi sur mon MacBook. J'ai un MacBook de 13 pouces et effectivement, tout fait gros. Alors, pour vous donner un titre d'information, j'ai commencé à faire quelques petites modifications. Mais il faut se dire qu'un MacBook, globalement, c'est 1280 par je ne sais plus combien. Et si on compte le dock, la barre de titre du navigateur plus la barre de titre de l'OS, on se retrouve avec à peu près ça. Donc ça, c'est la largeur et hauteur de mon MacBook à moi. C'est 1280 par 720 quand je suis avec le navigateur qui est affiché en plein écran, mais pas de manière full screen, quoi. Donc c'est que le navigateur prend toute la place disponible. Donc si on va sur tutoriel, parce que là, ça passe. Donc ce qu'on peut faire aussi, pour voir si on n'a pas trop perdu, c'est aller sur graphicard.fr et comparer en fait. Donc moi, j'ai sorti l'inspecteur, j'ai fait ça, et je me suis mis aussi sur mon MacBook. Voilà ce que ça donne. Donc globalement, sur la page tutoriel, au final, on y gagne, parce que je trouve qu'on voit mieux les titres, et on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6 tutoriels, alors qu'avant, on n'en voyait qu'un seul avec le titre, et les autres, on n'avait que les miniatures. Il fallait scroller un petit peu. Donc on y est gagnant. Sur les formations, c'est pareil, on avait 3 formations de visibles et sur la nouvelle version, on va en avoir un petit peu plus, donc c'est bien. Le souci, c'est quand on clique sur une formation, là on commence à voir le sommaire et sur la nouvelle version, c'est n'importe quoi. On a ça qui est énorme. Je trouve que c'est énorme en fait. Tout est trop gros, clairement trop gros, même sur un grand écran. Du coup, là il y a des changements. Après, il y avait un problème sur les tutoriels que j'ai changé aussi. Alors sur les tutoriels, on voit qu'on a pas mal d'espace et on a un début de contenu. Sur la nouvelle version, si je regarde ça, salut et bienvenue, hop, désolé, on a directement la vidéo qui se lance, bon, ça c'est normal, et on a le sommaire. Donc techniquement, on ne voit pas le contenu, mais le sommaire est un peu mieux mis en avant, ce qui est mieux, parce qu'on n'est pas obligé de cliquer là et tout. Et le dernier problème que l'on avait, et ça sera peut-être d'ailleurs le sujet d'un tutoriel, ici on voit qu'on a un petit peu plus le contenu, on a le fil d'Ariane, et on a les boutons téléchargés. Si je reviens sur la partie tutoriel, voilà le petit changement que j'ai appliqué, ça donne ça. Sachant qu'avant, en fait, ce qu'on avait, c'est tout simplement qu'on avait, si je retrouve, il est où mon SVG? Il est là. On avait ça. Donc le changement que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place un max 8 pour que la taille de la vidéo ne dépasse pas un certain ratio et qu'on ait au moins une hauteur qui est convenable. Donc on voit systématiquement les boutons, quelle que soit la hauteur de votre écran. Alors, résolution MacBook, c'est 2560 par 1600. Oui, mais ça, c'est une fausse résolution. C'est-à-dire que ce que tu vois en pixels disponibles à l'écran, pour un navigateur, c'est 1280 par 720. Une fois qu'on a mis le dock, quoi. Voilà, donc là, ça donne un petit peu mieux. Je ne peux pas réduire plus. La marge de manœuvre que j'ai, c'est de changer un petit peu cette taille de police pour, par exemple, passer du 30 à 38 ou passer sur une des tailles un petit peu plus petites. Mais ça ne changera pas grand-chose. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué un max 8 à ce niveau-là et ça vous donnera plus de contenu. Donc la page qu'il me faut fixer, à mon sens, c'est celle-là qui est trop grosse. Alors, elle est trop grosse pour deux raisons. C'est que là, on a beaucoup de titres. Enfin, on a du texte qui est quand même assez gros. J'arrive jamais à inspecter ce truc-là. C'est un peu pénible. J'aimerais bien connaître la font size et en fait ça me fait toujours galérer. Donc on est sur du 22. Une possibilité, ça serait de la passer à 18. Je sais pas comment on peut faire en fait pour. Parce que là il me montre pas les éléments. Je pourrais faire ça à la main mais. 18. En changeant la taille de cette police là, là ça doit être du 52. Je pense qu'on peut facile aller sur du 38 pixels. 38, c'est un petit peu 48. Ce qui nous remonterait un peu les contenus en dessous, quoi. J'ai débuté il y a 2 mois mon apprentissage autodidacte dans le dev web. Je comprends pas la majorité des choses que tu dis, mais c'est intéressant. Ouais, t'inquiète pas, ouais, ça. Après, je parle dans le désordre, ça aide pas non plus. Mais bon courage pour ton apprentissage. T'en es où? Là, 2 mois, je dirais que tu dois en être à... Ouais, la CSS, tu as dû bien commencer. Alors, on va aller sur la page formation.
Et on va essayer de trouver des correctifs pour cette page-là. Alors j'ai une petite question parce que je ne connais pas Nginx. Est-ce qu'on peut lui demander de charger un fichier serveur.js? Alors non, Nginx fait juste une redirection. Tu ne peux pas lui demander d'exécuter du JavaScript par exemple. Il ne saura pas le faire, quoi. Il est obligé d'avoir un Node.js qui lui va interpréter le code, quoi. Ok, donc pour les formations, on est reparti. Là, on a cette classe-là qui est un WaveHeaderTitle qui extend du title. Si j'extend de H1, ça réduit un petit peu la taille de la police, ce qui est pas mal. Donc on réactualise la page, c'est un petit peu mieux. Ces polices-là, elles sont énormes. C'est des hero title et je pense que c'était peut-être un petit peu ambitieux de mettre ce genre de classe-là. Je vais mettre des H1 à la place. Ou des H2. H2, c'est pas mal. Faut juste peut-être que je modifie. Les hero title avaient une marge bottom de 4, donc on mettra un MB4 ou un MB3 pour respecter un petit peu la truc. Et du coup, on l'a aussi pour chapitre. Donc, chapitre, c'est un hero title et là, on va le transformer en H2 avec un MB3. Je lance mon serveur Node.js justement avec PM2. Ah, alors là, c'est complètement différent. Là, ce que tu peux faire en fait, c'est que tu vas utiliser. Donc, on voit déjà qu'on gagne un petit peu plus de place. Il y a juste peut-être ici ce padding qui est un peu violent. Je pense qu'on pourrait le réduire avec un padding de... Ah, mais non. Il est bake où? Ah, c'est là. C'est dans la formation single où on a notre padding. On va mettre un space 4. Ah, c'est un petit peu trop. Un peu too much, 5. Voilà, ça donne ça. Sur MacBook, si on compare, hein, hop, on va aller sur la bêta. C'est léger, mais c'est, voilà, histoire que ça fasse un petit peu moins violent en termes de taille. Donc on va aller sur la formation débugger le JavaScript. Voilà ce que ça donne actuellement et la nouvelle version. Le logo est toujours imposant, mais on a gagné un petit peu plus de place, on voit un petit peu plus les contenus, c'est un petit peu plus agréable. Bon, en fait, ce que tu vas pouvoir faire avec Nginx du coup et PM2, c'est que tu vas lancer le serveur PM2 avec PM2. Donc, tu vas avoir par exemple localhost de point 9333, peu importe. Tu vas démarrer ton truc comme ça et tu vas pouvoir dire à Nginx, je veux que tu rediriges les requêtes qui vont arriver vers ce serveur-là. Donc, tu vas faire un proxy vers localhost de point 3000. Donc, tu as. Donc, c'est. C'est tout à fait possible de le faire, quoi. Ok, donc ça, c'est corrigé. Un autre petit problème, c'est dans le forum, j'ai remarqué, quand on crée un nouveau sujet, je trouve que ce bouton-là, il est peut-être un petit peu énorme. Je ne suis pas sûr que ça soit pertinent d'avoir mis un btn big, si vous voulez. Et ça donne cette impression d'énorme un petit peu partout. Et je pense qu'un simple bouton comme ça fera aussi bien le taf, en fait. Mais on va en profiter pour regarder aussi ce problème-là qui a été posté à ce niveau-là. Donc, on va aller sur le forum slash new. Ça, c'est ce qui permet de créer un nouveau topic. Et on va enlever le BTN Big. Alors, pour la personne qui disait qu'elle était en train d'apprendre en autodidacte, HTML, CSS, j'ai fait déjà quelques projets basiques, j'ai intégré SAS récemment et j'entame JS bientôt, mais je ne veux pas sauter les étapes. Ouais, non, c'est à peu près ça. Si tu as 2 mois d'expérience, le CSS, ça, c'est quand même pas mal, ça te met pas mal de temps. Et après, ouais, bah, le JavaScript, ça semble la continuité. Par contre, quand vous faites de l'apprentissage, même en autodidacte, ne sautez pas l'étape de l'algorithmique. C'est vraiment important pour, à mon sens. Ne sautez vraiment pas cette étape-là. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on répond, on essaie de soumettre, et maintenant, quand je corrige l'erreur, ça ne corrige plus le problème. Alors ça, c'est lié, à mon avis, au changement que j'ai fait la dernière fois sur le input. En fait, j'avais branché sur le Markdown Editor. Donc on va revenir à ce problème-là. Et ça, c'est un peu relou, je vous avouerai. Je ne sais pas si on a l'editor.jsx, non. Non,
Alors ça, c'est quoi comme élément? Attends, on va aller dans assets. Peut-être que je vais commit ces fixes là. On va mettre style ou front police de la single formation. Alors, ouais, ça, je galère toujours à trouver où je l'ai foutu. Mais c'est dans JS, normalement, dans Elements, et c'est tous les éléments du forum. Et on a le forum. Voilà, pour créer un message, c'est là. En fait, on a un form field. Qui se basait sur le on input du Markdown éditeur, quoi. Et la dernière fois, ce qu'on avait changé, c'est qu'on avait remplacé ça. On avait carrément enlevé. Ici, si je regarde l'historique, history for selection. Ouais, sur Git, carrément. Show history for selection. Non, je ne sais pas ce qu'on a fait. Je vous avouerai que je m'y perds un petit peu dans tout ce truc-là. Ouais, non, c'est là. C'est là où on dispatchait un input avant. Et en fait, c'est ça qui permettait au système de capter qu'on a retapé des choses, quoi. Si je fais ça et que je retape, là, ça marche. Mais le problème, c'est qu'on récupère le problème du champ qui ne change pas, quoi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir notre inspecteur. Vous allez voir, on va être un petit peu plus intelligent. Et on va reprendre notre text area ici. Donc au niveau de notre éditeur. On va faire ça. On désactive. Voilà, donc là on voit notre text area. On voit qu'il change. C'était quoi le problème d'ailleurs? Si j'édite ici. Voilà, c'est ça qui se passe. C'est ça le vrai problème. C'est que là, on n'a plus la synchronisation entre les deux. Est-ce que tu as des conseils à donner à un jeune de 18 ans qui veut faire du dev freelance? Ben je ne sais pas où tu en es dans ta vie, donc c'est difficile de te conseiller à ce niveau-là. Hello, par simple si tu peux donner un peu plus de contexte. Hello, par simple curiosité, combien fait de visites graphicard.fr? Ben, alors j'ai un outil de stats. Mais il marche pas terrible, quoi. Alors je vais te donner ça. Ok, ça marche pas, c'est ça? Faut désactiver ça. Bah, je sais pas si tu vas arriver à comprendre quelque chose, mais c'est ça là, c'est par moi. Tu vois, il y a tout qui plante, alors j'ai pas vraiment de super stats quoi. C'est un peu le problème. Ah, attendez, attendez, on a un truc qui est arrivé. C'est tellement lent. Bon, quand il aura chargé, on re-regardera. Mais voilà, je sais pas interpréter ou je sais pas à quoi ça correspond. Donc voilà, si t'as les stats. À partir de là, tu. T'essaies de deviner ce que ça, à quoi ça correspond. Ok, donc là en tout cas, ce qui est cool, c'est que maintenant j'ai bien identifié le problème. Le problème, c'est cette synchronisation-là qui ne fonctionne pas. Donc quand je suis connecté, je lui dis quand l'éditeur change, je change la valeur. Donc là, on va faire un console.log value. Je fais console. J'édite, je tape, donc le value qui est envoyé là est bon. Et là j'ai un dispatch event.
dispatch event qui va remonter, fait qui est juste là pour être là. Ok. Donc ce dispatch event, il va être détecté normalement par le form field. Quand on input, je vide ça. Si je retire ça, actualise, j'édite, là on perd les choses, alors que là on ne le perd pas. Donc le on input n'est pas le problème, il doit y avoir vraiment un problème de connexion. Donc dans mon éditeur, je vais ressortir ma console. Ici, on va faire un git local history, show history for selection. Et on va revenir à ce que j'avais avant, en fait, complètement. Voilà, parce que j'imagine que j'avais réfléchi quand je l'avais mis et il y avait une raison. Donc là, on va essayer de le débugger vraiment de manière correcte. C'est important. Je viens de faire un tour sur la bêta, pas mal. Juste un truc, je trouve, c'est le bordel dans la section formation. Genre, j'aurais fait des cartes pour chaque sujet, du genre JS, React, PHP. Et après, quand tu cliques, tu vois toutes les formations du sujet target. Ouais, en fait, le problème que j'ai avec ça, c'est qu'il y a des formations du coup que tu n'intègres pas. Parce qu'en fait, tu peux te retrouver avec le même problème qu'avant, c'est-à-dire que j'ai le guide qui te donnait une orientation, tu vois. Où là, tu pouvais dire je veux faire du Ruby ou du Node.js. Mais le problème, c'est que bah, tu te retrouves avec des formations qui n'ont leur place nulle part et qui, du coup, sont jamais trouvées. Par exemple, comment mettre enfin, le déploiement d'un site avec un cible. Il y avait quoi? Il y avait Webpack, tu as du mal à le mettre. Tu le mets où, quoi? Il y avait PHP Storm aussi, tu sais pas trop le caser. Bon, là, tu pourrais le caser avec PHP, mais. Enfin, il y en a certains, tu vois, MySQL par exemple, il irait à la fois dans le JavaScript si tu peux faire du serveur et à la fois dans le truc. Mais ça va être. Là, j'ai mis ça pour qu'au moins on voit les dernières formations qui sont sorties, sachant qu'il n'y en a pas trop. Mais je réfléchirai à un autre système d'organisation plus tard, sachant que j'ai aussi le système de cursus qui devrait arriver. Mais en fait, voilà, j'avais vraiment. J'ai 7 hommes actuellement et ce qui me gêne, c'est que ça cache certaines formations, notamment une formation qui est très intéressante, je trouve. Le mec qui jette un petit peu des fleurs, mais c'est celle-là. Tu vois, la mise en place d'un serveur web avec Nginx, Apache, tout ça, ben ça, c'est pas visible en fait. Donc c'est un petit peu dommage, quoi. Donc c'est pour ça que je me suis dit, au moins là, on les a. Et tu verras les dernières qui sont sorties. Mais après, oui, on pourra refaire de l'organisation. Là, l'objectif, c'était vraiment de faire en sorte que ça soit mieux mis en avant. Alors là, on va tenter de faire un window.setInterval, c'est plutôt setTimeout. Et je vais lancer une fonction qui, au bout de 2 secondes, va lancer cette fonction-là. En fait, j'essaie de comprendre qui c'est qui vient reset ce champ-là. Donc, je réactualise, j'édite ce sujet-là, je fais ça. Ok. Donc, c'est quelqu'un qui vient écouter cet événement-là. Qui déclenche ce problème-là. Donc, si je regarde cet élément-là, je vais pouvoir aller dans la partie Event Listeners et voir qui c'est qui écoute le input. Et c'est props.js. Alors là, va comprendre un truc. Si je supprime ce listener-là, on n'a plus de problème. Donc le problème, c'est ce listener-là. Il faudrait comprendre qui c'est qui le met. Et c'est là où c'est funky. Si je regarde là, par contre, lui, dans le input, on a aussi le props.js. En fait, ce qui n'est pas évident, c'est que c'est pour créer un message et quand j'édite, ah, en même temps, c'est ça, je ne regarde pas le bon code. J'ai un forum editor qui fait ça. Là, j'ai un default value qui est le contenu.
Si je retire ça pour tester, hein, j'édite et je vais retirer mon timeout là. C'est pas le bug le plus facile à débugger, hein. Clairement, celui-là il est récalcitrant depuis plusieurs fois là, et cette fois-ci on va essayer de le corriger de manière correcte. Donc là c'est OK, c'est la création du default value qui pose un problème. En fait, je suis en train de me demander. Quand je crée mon formulaire là. Fetchform formulaire Ajax. Comment j'ai les datas dans ce truc-là, là? Si je fais ça, est-ce que ça va marcher? Ce problème, il commence à me casser la tête. Le fetch form, il prend des datas. Je me souviens que quand j'avais écrit ce code-là, je m'étais dit attention, ça va être difficile à recomprendre. Non, alors clairement, passer les datas comme ça sert à rien. Donc ça, c'est un formulaire, nina. Oui, en fait, il prenait. Non, non, c'est ça. Lui, il s'en fout des datas. Ouais, en fait, on est obligé vraiment de faire ça. Alors, peut-être, ce qu'on peut tester, c'est que là, je fais ça. Je clique sur éditer et j'essaie de modifier là. Là, j'ai un problème aussi, je ne peux pas le modifier là. On a vraiment un problème. C'est-à-dire qu'il m'empêche complètement de rentrer de valeur si j'ai un default value ici. Alors peut-être c'est une erreur avec Preact. Ça date de 2017 quoi, ça a dû déjà être corrigé il y a longtemps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va bumper les versions. Donc on va aller dans le package.json et on va monter Preact et Preact Compat. Et on va, là, on est à la 10. Et on va voir si on a une meilleure version. Bonjour, combien de temps doit un développeur passer sur un projet genre WordPress, intégration plus template? Ça dépend de la complexité du projet, mais ça peut aller entre une semaine et 2 mois, quoi, facile, voire plus.
Ça, mais comme je te dis, ça dépend vraiment de la complexité du projet. Là, on est à la 10.5.10. Je suis pas sûr que ça change grand-chose. Ah, et en plus, on n'a rien de mieux, quoi. Fuck. Comment ça s'appelle? Yarn Upgrade Preact. Bon, pas fait ça. Hein. Bonjour, t'es vraiment suivi au Canada? Ah, cool. Salut les Canadiens, du coup. Je sais pas quelle heure il est chez vous là. Équipe. J'ai même des profs qui passent tes vidéos en exemple. Est-ce que tu as un jour l'intention de parler de Spring Boot? Java, c'est peu probable, quoi. Franchement, c'est peu probable. Alors, mon problème pour ceux qui viennent d'arriver, c'est que j'ai un problème de synchronisation du champ. C'est-à-dire que quand je clique sur éditer, je ne peux pas éditer ce champ-là. Je me fais bloquer. Alors que là, je peux éditer ce champ-là. Donc, la différence entre ce champ-là et ce champ-là, c'est que ici, j'ai un default value. Et pas sur l'autre. Et j'ai l'impression que le default value, il le considère en fait comme une value. Ce qui fait que bah, ça marche pas quoi. Globalement, en fait, il lock le champ et je peux absolument rien faire. Donc si je prends un exemple concret, on va prendre le forum edit ici. Voilà, là, on va mettre un input de type texte comme ceci. Si je fais ça, on voit que j'ai mon champ, je peux taper dedans. Si je mets un default value, on va peut-être tester ça aussi. Et on va mettre hello. Je sauvegarde, je réactualise. Là, il me laisse taper. Je fais la même chose avec un text area. Il y a peut-être un petit peu plus qui rentre en jeu en fait, text area. Donc pareil, on laisse un type, on laisse un truc. Et on met rien à l'intérieur. On met juste ça, text area default value. Je fais ça. Là, je peux taper. Ah, c'est un truc de fou quoi. Donc c'est peut-être la liaison. Non, alors du coup la mise à jour de la librairie n'a servi à rien. Donc quand on a un input ici, est-ce qu'il n'y a pas un problème? En fait, si, ah, y a moyen de tester plus simplement. C'est que là, on va changer en text area. Non, ça c'est create message. Create message, on avait dit pas de problème, tout marche bien. C'est forum edit qui marche pas. Forum edit, on se dit tiens, on va changer et on va mettre type text area. Un default value, justement, ça permet de créer un champ qui n'est pas contrôlé. Là, on a le même problème. Donc, c'est putain, c'est lui qui vient nous emmerder là. On va faire un console.log props pour voir un petit peu les props qui rentrent dans ce truc-là. Là. Je regarde la console, j'édite et j'ai juste un default value. Et ça, c'est un champ du coup qui reçoit le default value. Ce champ-là. Putain, quel bordel. On arrive jusqu'au field de text area. Ok. Et là, c'est un text area qui prend des props. Donc, on va faire un console.log de props pour voir un petit peu ce qu'il reçoit. Donc, je réactualise. J'édite. Il a un value qui est un undefined. Il a le on input. Alors, pour tester, on va faire un props.onInput égale undefined. Où là, on va lui dire de dire. Ouais, ben on va faire ça. C'est pas ouf. Ça, faut jamais écrire ça. Mais c'est juste pour tester. J'édite. Là, je peux modifier. Donc, il y a un onInput qui est envoyé.
qui met pas de value en même temps que oui, c'est ça. Mais c'est bien un champ end control de que je veux. Non, mais il y a quelqu'un qui vient rajouter. Alors, le handle input. Il vient appeler le onInput qui est passé en paramètre là-haut. Si j'enlève ça, là ça marche. Si je mets ça, là ça marche plus. Dirty, ça sert à... Alors, dirty, c'était pour savoir si le champ avait été modifié depuis la dernière fois. Et si le champ a été modifié, ça permet normalement de masquer les erreurs. Donc, c'est ce que l'on a ici. Si l'erreur change, on considère le champ comme clean. If dirty égale true, set dirty égale false. Est-ce qu'il y a... En fait, je pense, je me demande s'il n'est pas en train de réappliquer. Ouais, c'est ça, il doit réappliquer le default value vu qu'il y a un nouveau rendu qui est fait. Ce qui n'est pas très logique en fait. Oh, c'est bug de l'espace quoi. Et sinon, on appelle le onInput qui est donc la méthode parente. Et. En fait, alors si tu, les gens disent si tu balances tout et tu utilises Trumbobic, tu auras toujours le même problème. Oui, parce que là, en fait, on le voit, le problème que j'ai, il n'est pas du tout à l'utilisation de l'IDE. Il est lié à la relation qu'il y a entre Preact et cet élément-là. C'est ça qui pose problème, quoi. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il rerend ce composant-là, ne comprenant pas que c'est le même élément. Il réapplique le default value. Ça, c'est ma théorie. Alors que cet élément-là, techniquement, n'a pas changé. La seule chose qui a changé, c'est le fait qu'on ait dirty, qui soit passé de true à false. C'est la data qui renvoie la props qui bloque ton content. Donc là, ce qu'il suffit de faire, c'est d'aller dans le text area et de faire un console.log I'm rendered et voilà les props. Et voilà ce qui se passe. J'ai cliqué sur éditer, il est rendu une fois. J'appuie, il va être rendu deux fois. Il va être rendu plein de fois. Ce qui est logique parce que on est en train de modifier une valeur. Donc forcément, il va être re-rendu. Encore que ça ne devrait pas être le cas. Parce qu'à mon avis, les props qu'il reçoit là, elles n'ont pas changé quoi. C'est vraiment toujours les mêmes props. Alors je pourrais mémoriser, mais. Si tu changes le state, c'est pas pour qu'il re-rend ton composant. Ça, c'est quoi? C'est un champ. Ouais, ben, en fait, ouais, mais le champ, il est forcément re-rendu. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? En fait, je pense que c'est vraiment ce qui se passe. C'est-à-dire que si je prends mon champ là, je l'édite, je viens le modifier, je vais lui rajouter un... Un data-lol égale 1.
Non, c'est bizarre, il rend pas le data-lol, mais il bloque vraiment ce truc-là. Bon, je pense que je vais regarder ça de mon côté parce que sinon on va y passer trop de temps et ça va être chiant à regarder en live. Mais voilà, je pense que le problème il est là. Je vais laisser le on input parce que c'est à mon sens le bon comportement. Et on va passer sur des trucs un petit peu plus fun. Donc ça on le laisse, ça on le remet. Ouais, ça c'est les pires bugs quoi. C'est le pire bug parce qu'en fait le bug est dans React ou dans Preact. Et si j'ai vu que tout est compilé, tout est transpilé, c'est hyper chiant de trouver l'erreur en fait. Mais je sais à peu près où chercher, mais il va falloir que j'aille au fin fond du truc et on n'a pas trop l'envie là maintenant. Mais voilà, c'est à ça que c'est de là que vient le problème. Ça serait pas dû à une mauvaise utilisation des hooks? Non. Parce que même si j'utilisais les hooks n'importe comment, ça n'empêche que le nœud qui est rendu est le même. Donc il ne devrait pas changer la value. En fait, le problème vient du default value qui est mal interprété. Et j'en veux pour preuve que si j'enlève le default value, j'ai plus de soucis. Donc ça veut dire que c'est bien ça. C'est quand il rerend ce nœud-là plusieurs fois, le changement de default value, enfin le default value ne changerait pas, il ne devrait pas re-reset les trucs en fait. Donc à mon avis, c'est qu'il perd la référence et il croit que c'est un nouveau nœud à chaque fois ou je ne sais quoi, et du coup il bloque quelque chose. Ce que je ferai, c'est que je vous dirai comment j'ai solutionné le souci quand je l'aurai solutionné, quoi. Alors, sur la page d'accueil, en dessous des nouveaux du blog, la description temporaire n'a pas été modifiée. Alors, ça va être. Voilà, on va partir sur des issues un petit peu plus chill. Alors, là, il faut se déconnecter. Tu peux nous faire une présentation du framework Meteor? Non, je l'utilise pas du tout. Je connais pas Meteor. Alors là, est-ce que j'ai prévu des descriptions pour ce truc-là? Ah. J'ai pas prévu de texte pour ça. Hein. Non, c'est là. Pas fou, mais c'est toujours pire que ce qu'il y a. Et ben voilà. Est-ce que tu as utilisé Node.js pour ton nouveau site? Non, pas du tout. J'ai utilisé Symfony et du bon vieux PHP, comme on les aime. Fixe 242. C'est quoi l'issue 242? 242. Ok, ensuite. Problème d'affichage des tags. Ouais, ça c'est résolu ça. Merde, j'ai fermé deux onglets. L'icône hamburger sur téléphone ne s'affiche pas complètement. Sur mobile, quand on se rend sur n'importe quelle page directement depuis l'URL ou bien en rafraîchissant les pages, l'icône du burger s'affiche qu'en partie. Il manque un peu le haut et le bas. What the fuck? Ça le fait sur Android aussi, ça? Non, c'est que Safari, ça. Tiens, je sais pas s'il est chargé. On va prendre l'iPod, qui a plus de poussière que.
Jamais utilisé ce truc-là. Hop. Tout en front est en préact ou seulement certains composants? Seulement certains composants. Plus tard. Cet iPad n'a pas été ouvert depuis 8 mois. Je n'en reproduis pas sur Chrome pour iPhone. Ouais, mais attends, le problème c'est est-ce que la bêta marche? C'est quand même plus confortable une tablette pour taper des URL. Safari ne peut pas ouvrir la page bêta.graphicart car votre iPad n'est pas connecté à Internet. Ah. Comment te dire? Comment on connecte à Internet? On va le redémarrer, hein. Je pense qu'il y a du mal. Pas été redémarré depuis 10 ans. Alors le problème que j'ai avec cet iPad, c'est que c'est un iPad qui a été acheté il y a longtemps. Et les iPads qui ont été achetés il y a longtemps, bah, ils ont une vieille version de Safari, donc je peux rien tester avec. Mais on va voir quand même ce qui s'affiche. Pourquoi pas du Laravel au lieu de Symfony? Et pourquoi pas du Symfony au lieu de Laravel? Hein? J'ai déjà répondu sur les issues, tu vas sur GitHub et dans issue, tu as deux trucs qui sont mis en haut. Il y a une des deux qui explique pourquoi j'ai choisi tel ou tel framework. Je rallume. Donc vous me dites que ça ne le fait pas sur iPad. Ça ne le fait pas sur... Je ne sais pas si c'est voulu, mais je ne pense pas. D'accord, oui, alors ça, on va le corriger. Comment on accède à la bêta? C'est bêta.graphicart.fr. Alors, ne faites rien d'important sur cette bêta, les données sont effacées, c'est important. Ça, je ne peux pas le corriger, ça c'est machin, ça c'est pareil. C'est quoi le burger en background d'image? Non, je crois que c'est trois barres à faire un CSS. Attends, je vais te dire ça. C'est juste d'allumer ce putain d'iPad là. Ah, j'ai changé le responsive aussi. Ouais, non, c'est trois petites barres. C'est trois petites barres comme ça avec des spans et des tirets. J'ai changé le responsive pour qu'il s'adapte un petit peu mieux. Donc maintenant, en fait, le menu se cache. Ah, d'ailleurs, ça déclenche un petit bug. Je viens de le voir là. La hauteur là, elle n'est pas bonne. Ah, fuck. Ah fuck, ici. Faut que je mette 19. C'est bizarre que ça modifie tout la taille du contenu. Ah, en fait, il va falloir laisser 16 pixels. En fait, je viens de réaliser que le G du blog est coupé en fait. Ouais, bon bref, en résumé, c'est responsive, c'est-à-dire que quelle que soit la résolution de votre écran, au pire ça cache des éléments dans le menu. Là, c'est pas terrible ça. Ça, faudrait que ça soit en flex none. En white space, no wrap. Voilà, ça sera comme ça. Et en fait, vous voyez là, il y a blog qui a été supprimé. Et si tu redimensionnes, en fait, ça supprime des éléments dans le menu. Mais tu as toujours au maximum des choses, quoi. Plus tard, je ne vais pas mettre à jour mon truc là. Est-ce que j'ai accès à Internet ou pas? Ou en fait, j'ai juste tellement vieux qu'Internet est plus compatible avec mon iPad. Quel enfer. Désolé. Bon, bah déjà, ça permet de voir un problème sur le menu. Donc, je vais réactualiser la page et on va corriger ce problème-là. Donc, quand je suis ici, pof, là, ça coupe. Donc, c'est le header side hot qui devrait être en white space no wrap. Donc, on va faire une petite recherche et on va mettre ici. Ok, en fait, j'ai pas de style pour ce truc-là. Où est-ce qu'on pourrait le mettre? Hop, ici. White space, ah fuck, white space, no wrap. Et quand vous êtes sur mobile, en fait, ça va supprimer et vous y avez accès par le haut quand vous cliquez sur le menu. On peut se connecter avec notre compte Graphicart car moi ça ne fonctionne pas. Ton compte, c'est quoi? C'est un compte.
C'est un compte Git. Tu t'es connecté via un mot de passe ou via un autre système? Et qui c'est qui n'a pas le code de son Wi-Fi? Ouais, en fait, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas connecté qu'en fait, il a pas le bon code Wi-Fi, quoi. Sinon, pour ceux qui se demandent, je pense qu'au niveau de la mise en ligne, on n'est pas loin, hein. En termes de bugs, je pense qu'on est cool. Et la semaine prochaine, je vais attaquer en fait le plus chiant, c'est la rédaction des contenus. Donc il va falloir que je repasse sur toutes les formations. Il y a déjà des gens qui m'ont proposé de m'aider. Donc il faut que je donne un petit peu des guidages pour ça. Et comme ça, on pourra attaquer ça. Mon compte via Google Hot fonctionne. Le décalage est bizarre. Ouais, en fait, j'ai voulu mettre un effet de flou derrière là. Vous avez un effet de blur. Et j'ai l'impression que si t'as pas un bon périphérique, ça rame tellement du cul que ça marche pas, quoi. Bon, ben, sur iPad, vous le voyez pas, mais c'est défoncé de chez défoncé, quoi. Il n'y a pas grand-chose qui marche. La version actuelle, elle marche ou pas du tout? Graphique carte. Parce qu'autant, en fait, même la version. Ça, c'est un peu plus chiant. Par contre, je vous avouerai que. Ouais, tu peux pas lire les vidéos sur le site, quoi. Sur mon iPad. Alors pour ceux qui se demandent, c'est un iPad qui a. Alors, à propos. Et ça, c'est le plus relou parce que je sais pas comment. Est-ce que c'est des choses que vous gérez ou pas? Bon, il date, hein, maintenant. Mais je suis bloqué, en fait, voilà, sur la version 10.3.3. De iOS et je peux plus mettre à jour en fait. Donc la moitié d'Internet marche plus sur cet iPad là et je peux plus installer d'application. Donc j'ai une brique en fait. Ça fait un peu chier. Vous allez me dire oui mais ton truc il a 15 ans, oui je suis d'accord, mais bon. Je sais plus, en fait il n'y a plus le numéro de version des iPads maintenant là. Il faut aller dans. Je crois que c'est un iPad ouais de 2 ou. iPad numéro de série je crois, non? Je peux pas le jailbreak? Bah, si vous avez des astuces, moi je veux bien, hein. Parce que concrètement, ça serait vraiment pas mal parce que je peux rien faire avec. En fait, je peux même pas installer Molotov pour regarder la télé et tout. Il n'y a pas un truc où on peut taper son numéro et ça te dit quel iPad t'as? Mais de ce que je vois là. Le mien, il ressemble à ça. Non. C'est celui-là. Non. Je crois que ça doit être. Va dans General Information. Je suis dans General Information. Il y a marqué non, iPad. Et là, en fait, j'ai version 10.3.3, 14G60. Et j'ai un modèle MD510. Ouais, mais MD510, ça te parle pas, quoi. Ah, ou peut-être tu cherches MD510 et là tu le trouves, non? Quel enfer. Peut-être sur ce site, il y a. Oh là là, des pubs. Je vais te MD510. Ah, putain. Quatrième génération, voilà. Il date de quand? 2014, oh, ça fait. Voilà, quatrième génération, bah, tu peux. Sache que tu peux rien faire avec. Il comprend plus le JavaScript, quoi. Ah, putain, quel enfer. Hop, on le remet sur son truc là, qui ne sert à rien. Alors. Oui, alors un autre truc que m'ont signalé des gens. Alors, ça va être plus sur le côté mobile.
On va se rapprocher de la fenêtre ici et ça sera facile à tester comme ça. En fait, c'est que c'est déstabilisant. Il trouve que sur la home, on ait ces bandeaux-là sur le bas. Chose que je peux comprendre et ce serait plus logique de l'avoir en haut. Donc, on va changer ça. Donc là, c'est dans le home.css. Alors, le home.css, j'ai fait n'importe quoi. Il y a un peu de tout, hein, dessus. Alors, j'ai essayé de faire en sorte que ça s'adapte à peu près à toutes les résolutions, ce truc-là, là. Alors, il y a juste une petite résolution où ça plantouille, mais vous voyez, quand on grandit, c'est bien. J'ai agrandi ça pour que les titres des lives soient en entier. Là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je décale le titre là-haut pour avoir un peu plus d'espace. Tout, 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 tout. Voilà, il y a juste ce détail-là, vers 1200, qu'il y a un petit souci que je pourrais résoudre en retirant le margin. Mais du coup, j'ai mis 3 tonnes de breakpoint. Et là, l'idée, c'est de choper. Ah, ça casse quand même vachement tôt, quoi. Hein. De choper à quel moment ça casse et c'est le home push container qui contient la grille, voilà. Et hop, là il passe en grille à partir de 1190. Donc c'est dans le 1190 qu'on va gérer les choses. Voilà, et on va faire split. Ah, ils ont renommé ça, c'est trop bien. Voilà, donc là on est là et on va chercher. Je crois que c'est les piles. Ici. Donc l'idée c'est que le. Ça, je vais le basculer en fait. Si je fais ça, ils sont toujours la même position partout. Je vais le basculer là. Il faut bien faire attention à pas tout flinguer parce que ça, c'est la partie un peu hardcore. Ça, on le veut pas. On le veut à top 0 par défaut. Top 0. Je vais faire ça plutôt. Donc l'idée c'est de mettre les petites pilules là qui affichent le lien tout en haut pour tout le monde, par défaut sur mobile, et ensuite de le changer. Alors, je vais ouvrir sur notre écran pour pouvoir voir en live ce que ça fait sur les grands écrans. Donc les pilules, on va les mettre en position absolue, en left space 3, en top 0, et pas de transformation. Enfin, une transformation en moins 50 pour que ça soit au-dessus. Voilà ce que ça donne. Ce qu'on va faire, c'est que le grid gap ici, on va l'augmenter et on va mettre 6. Quand on arrive sur petit écran, enfin grand écran, les pilules vont toujours garder cette position-là. Donc ça, on ne les change pas. La première, on ne va pas la bouger. Mais par contre, la deuxième, on va la bouger. Je vais regarder sur la bêta à quoi ça ressemble aussi parce que je ne sais déjà plus. Ok, la deuxième, elle va partir sur la droite. Donc la deuxième, elle va avoir un left qui va passer en automatique et un right qui va passer en space 3. Son top va être en automatique et son bottom va être à 0. Et son translate Y sera à 50%. Techniquement, la troisième, 1, 2, 3, va se comporter de la même manière parce que l'index commence à 1 parce qu'on est en CSS et que rien n'a de sens. Et là, ça donne ça. Donc sur mobile, on est bien. Et sur grand écran, on est bien aussi. J'ai rien dit. Non, ça ne change rien, ça. Voilà, donc là, sur mobile, on est bien. Sur grand écran, on est bien. Je vais re-regarder la maquette, juste parce que j'ai un doute sur le côté. Je serai toi, je retirerai le côté flottant et je mettrai des piles dessus en statique, plus lisible, je pense. Après, sachez que vous avez accès au Figma, donc si vous voulez faire des propositions, vous pouvez tester ça. Encore une fois, c'est sur le GitHub, hein, vous avez le lien du Figma. C'était fait comme ça à la base, en fait. Alors certes, j'ai complètement changé les contenus, mais voilà. Ok pour ça. Donc ça fixe ce problème-là.
Et on va finir sur un dernier petit truc, et après j'irai faire une petite pause. Parce que bah, finalement, les trucs qui me restent, c'est du rédactionnel, donc ça, c'est pas quelque chose que je peux streamer vu que je dois écrire. Donc là, on va mettre fixe, layout, mosaïque, homepage. Commit. Donc je disais, le dernier petit problème. Je viens de le perdre, putain, j'avais ça en tête. Ah oui, je voulais faire un coup de purge au CSS, mais c'est pas ça ce que je voulais faire. Fuck, j'ai oublié. Ah oui, c'est bon. C'est les polices. Alors, on a deux solutions. Quelqu'un m'a fait la remarque, et effectivement, j'ai pris les fonts du designer. Ce qui est pas ouf parce que finalement, c'est des fonts qui sont pas libres de droit. Et que je peux pas utiliser. Donc, on va les enlever. On l'avait déjà fait. Ouais, faut juste que je les retrouve. Voilà, c'est ces deux variables-là. Ces deux variables-là, si mes souvenirs sont bons, on les a changées il y a pas mal de temps. Donc, on va faire un git history et on va regarder l'history pour la sélection. Donc voilà par quoi on est passé. Alors je me demande si je fais SF. Si ces polices, elles passeraient sur des gens qui les ont en fait. Deux secondes, je vais chercher mon iPad pour voir mon iPad, mon MacBook. Et on va voir un petit peu ça. Donc la question à 1 milliard de dollars, c'est est-ce que dans les fonts, on a un San Francisco qui est utilisable? SSS. Parce qu'à la limite, c'est pas grave. Si tout le monde ne l'a pas, au moins ceux qui l'ont, on l'ont, quoi. San Francisco. PQRS. SSS. S. Sana. Sama. Peut-être ASF. Non, on est déjà à truc. Non, ça a l'air d'être une police qui est réservée aux. Ah, peut-être, attends, j'ai pas SF. QRS, non. Bon, mais tant pis. Ça doit être réservé aux iPhone et compagnie. Bon, ben, on va dégrader. Alors, je vais mettre le site en grand pour voir la différence entre l'un et l'autre. Donc, on désactive les polices en désactivant ça et ça. Pour loup, c'est pas la même police quoi. Autant sur la home, c'est pas choquant, mais sur certaines pages. Tu coupes ta cam parce que t'es pas habillé en bas? Non, non, non. Je pourrais la laisser. Mais je suis en vieux jogging tout pourri en fait. Je fais pas d'effort quoi, le week-end je fais pas d'effort. Confort. En fait, je dis ça, mais en fait, je fais pas d'efforts à longueur de semaine. Je suis en jogging tout le temps. Dès que je dois sortir, ça me fait chier, en fait. Donc, vous voyez la différence entre les bonnes polices, là,
et les no police, c'est-à-dire qu'on laisse le système d'exploitation choisir un peu les polices. Alors l'autre solution, c'est de prendre Roboto et Gotham ou Montserrat, on avait aussi. Mais ça m'embête de charger des fonts depuis Google Fonts en fait. Moi pareil, sauf que j'ai fait même pas l'effort de mettre un jogging. Attends, il fait tellement froid là, tu vas pas te trimballer un calbut quoi. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par les titres. Les titres, c'est Gotham, c'est ça? Ouais, c'est les titres qui sont affectés. Et les titres, j'avais prévu Roboto. Est-ce que les Google Fonts, on a le droit de les télécharger et de les redistribuer en fait? Tu as Inter qui est pas mal. Licence. This font are licensed open font license. You can use them freely in your project, print and digital. However, you can't sell them. Donc techniquement, j'ai le droit de les télécharger, quoi. Ah, vous allez me dire, ouais, mais t'es con, pourquoi tu n'utilises pas Google Fonts, c'est bien. Je veux pas dépendre de Google. Je veux pas dépendre de Google et ça me gêne en fait que Google sache exactement toutes les sites que vous visitez. Donc c'est par respect au niveau des utilisateurs. En tout cas, Muxable, d'après ce que je vois, Inter a l'air vraiment pas mal. Visuellement juste, ça a l'air vraiment cool. Donc on va tester ça. Je crois que c'est Transfonteur. Ouais, c'est ça. Donc j'ai besoin de quoi? J'ai besoin. Hop, hop. 500 et 700. 500, 700. 500, 700. 500, 700. 500, c'est regular et 700, c'est bold. Attendez, j'essaie de m'organiser sur mon système, je m'y perds. Quel enfer. Alors, regular, et on avait dit bold. On n'a que deux graissages, donc ça va. Ok, je rajoute. On prend que le WFF, on rajoute la règle locale, en même temps on s'en fout. On fixe ça si c'est possible, ouais. Et on télécharge, converte. Et on télécharge. On ouvre. Hop. Et on va les déplacer ici. Puis hop. Gotham, on dégage. Ah non, 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 non. Non, j'ai mal compris là. C'est médium. Tu as utilisé quelque chose de particulier pour l'animation de la page d'accueil sur ton site? Je vois que c'est des divs qui apparaissent au fur et à mesure. Je l'avais fait pendant un live, globalement c'est du code maison. L'animation de la homepage, c'est du code fait maison. Avec mes petits doigts. Donc on a Gotham Pro en médium et en bold. Donc si on veut Inter, il faut Inter en médium et en bold. Putain, on n'a pas de. Donc là, on a Inter du coup. À la place de Gotham. Alors, un petit test. Inter.
Gotham. Je m'épuise des fois. Ok. Donc ça c'est Inter. Ça c'est Gotham. Inter. Gotham. Inter. Gotham. Ok, bon. Alors, un très gros. Eh ben, franchement, c'est validé. Allez, hop, Gotham, tu dégages. Tu dégages. Tu viens de disparaître au prix d'Inter. Alors maintenant, est-ce que quelqu'un a une alternative? Le mec qui fait son marché, tu sais. A une alternative à SF, SF Pro, qui est la fonte donc d'iOS. Alors, le premier réflexe serait de se dire, tiens, Inter all the way, quoi. En ayant 400 en plus, du coup. Je voyais Inter plutôt en... Ah. À base... Ah, ok. En fait, je viens de réaliser que je n'ai pas compris la question. Vous pouvez répéter la question? Je remets Gotham. On recommence, on recommence. C'est moi qui n'ai pas compris. Donc les gens disaient, remplace Inter pour le SF Pro. Donc si je fais ça, là on est sur SF Pro et Gotham. Peut-être on peut enlever ça, non? Ça sert à rien. Voilà. On est comme ça. Et on remplace du coup SF Pro par Inter. Je suis con ou comment ça se passe là? Genre, attends. Ça, on est d'accord que... Putain, je comprends rien. Cette fonte là. Tu peux me montrer la tooltip Google ou comment ça se passe? Ça, c'est SF Pro. Je passe à Inter. En fait, c'est quoi la différence? Elle n'est pas... Elle est tellement pas ouf en fait que j'ai du mal à la différencier. Attends, on va sur tutoriel. Pourquoi tu utilises deux fonts en vrai? Ouais, oui, c'est ce que je suis en train de me dire. Si Inter marche pour les deux. Non, c'est que SF Pro marchait pas pour les titres en fait. Du coup, j'avais deux fonts par rapport à ça. En fait, Inter a l'air d'avoir un petit peu moins d'espace entre les lettres. Ça respire un petit peu moins. C'est light, mais... T'as Popine aussi qui est à la mode. À la place de laquelle? J'aime pas trop changer l'espacement après, c'est chiant. Popine. Là, c'est Popine, pourquoi là? Ils ont mis Popine sur le titre. Et open sans pour le texte. En fait, moi j'ai la police du haut en bold. Open Sans est pas mal pour les textes en fait. Mais
Non, Poppin, elle est trop. Je sais pas, mais il y a un truc qui me va pas avec. J'aime pas cette ligne en fait. J'aime clairement pas cette ligne. Non, et sinon, l'idée de Inter all the way là, elle est pas mal. Hein. Genre, on fait ça, on fout Inter dans les deux et. Et open 100 pour le contenu, ça donne quoi? En fait, j'ai l'impression qu'il modifie pas la bonne. Attendez, il n'y a pas moyen de comparer du texte rapidement? Il n'y a pas moyen de faire une sélection et de comparer. On voulait open 100. Vas-y, rajoute. Comment je fais pour l'ajouter? View your selected families. Putain, l'ergonomie chez Google, il faudra repasser quoi. Putain, mais c'est où que tu appuies sur plus là pour rajouter? Faut glisser. À droite. Régular. Donc on a Open 100, on a Inter aussi. Hop. Ah, je débute en Internet, moi c'est difficile. Hein. Inter, on l'a en régular aussi. Et est-ce qu'on peut preview après? Est-ce que tu as un endroit où tu peux voir un peu tes polices et comparer? Faut, je te jure, quel enfer ce truc là! Le mec il s'énerve tout seul, c'est tout en bas. Et review, non? Ça va toutes les télécharger. Sinon, c'est dans le pairing où je peux le voir, mais je suis limité quoi. En bas, tu peux choisir deux polices différentes. Dans ça là? Ou là, à la page d'accueil? La page d'accueil, c'est pas évident quoi. Ouais, mais en bas, j'aimerais bien. Parce que là, il me propose pas de choisir. En fait, je suis limité parmi celles qu'il me propose. Je voulais comparer avec Open 100 en fait. Mais bon. Open plus 100. Je pense qu'on va la DL, on va la mettre sur le dossier. Ça va être aussi rapidement fait en fait. Là, plutôt que de perdre du temps là, avec une ergonomie que je comprends pas. Problème d'Open 100, c'est que tout le monde a l'habitude de l'avoir celle-là. Download family. Donc régular et bold. Transporteur, open 100, convert. Tu ne veux pas utiliser Fontarsome? Ça n'a pas trop de rapport avec ce que je suis en train de faire, il me semble. Mais non, je n'utilise pas Fontarsome. Donc là, on veut Open 100 en bold et en regular. Donc on va charger Open 100. Je n'ai pas regardé si c'était des majuscules ou pas. Font. Open 100, open 100. Tirer bold, titrer truc. On l'a en 400 et 700 du coup. Et ça sera open 100. Donc là, on teste. Alors là, on a Inter en 16 pixels qui est là. Et on le swap pour du open 100.
Non, là on a Inter pour les titres. Putain. Et on swap Open 100 ici. Open 100, elle respire un petit peu mieux quand même. C'est léger, mais ça respire un petit peu plus. Mais par contre, sur ces cartes-là, je préfère Inter. Qu'est-ce que vous préférez? Moi, je dirais que Open 100 pour le contenu et Inter pour les titres. C'est un bon compromis. Sinon, c'est Inter all the way, quoi. C'est Inter de bout en bout, quoi. Vous voulez un sondage? Ah, je sais pas, je vous avouerai que si je m'écoute moi-même, j'aime pas cette taille. J'aime pas cette taille de police là. Moi, ouais, je suis désolé, mais je vais faire mon dictateur là, mais je pense que je suis plus à l'aise avec un mix Inter Open, quoi. Et puis c'est moi qui décide, et puis c'est tout. Essaye Font Railway. Pour le contenu ou le truc? Et là, c'est quoi du coup comme police qu'on a ici? Là, c'est Montserrat Open 100 Inter. Je trouve qu'elle a pas assez de graissage. Ouais, c'est un peu mon problème aussi, je t'avouerai. Comic Sans MS, je l'ai pas, je suis sur Linux. Ah, sinon, j'aurais utilisé, mais. Railway. On va réutiliser ça là. On va revenir. Alors, la problématique qu'on a, c'est que Open 100 est pas mal, mais. Trop light. Après, il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a aussi le fait que je travaille sur mon. Attendez. Je suis sur Linux qui a un lissage, un lissage chelou et des fois ça marche bien sur un mais pas sur l'autre. Alors, 181.8000. On va passer en mode pas dark. Et on va aller sur la page d'un tutoriel. Franchement, ça passe bien sur un Mac. Ça passe bien sur Mac. Railway. Railway, elle a l'air fine aussi, hein. En même temps, je suis bête. C'est ça que j'aurais pu faire depuis le début, désolé. J'aurais pu faire ça, faire ça, faire ça, faire ça, faire ça, ça, hop. Hop, faire open 100. Mettre mon texte à moi là. Revenir ici, refaire ça, faire ça, hop, mettre le texte là, là, le mettre en 18, en 16. Est-ce que je peux bouger juste pour avoir 16? Hop. Ah voilà. Donc on a un régular ici et régular en face. De ce que je vois, Open 100 est quand même plus gras que Railway. Donc, lato, lato, lato.
En 16 pixels. Lato en régular. Ah ouais, lato en régular. Putain, lato, on dirait presque du semi-bold de quoi. Lato, par contre, j'aime pas trop la typo. C'est trop compressé en fait. Vous voyez, on voit. Ah, d'accord, ok, la scroll bar a décidé de flinguer. On voit que là, j'ai deux navigateurs qui sont split à 50% de mon écran avec le même layout de page. OpenSense, ça coupe à d'erreur. Et lui, il coupe ici. Donc, c'est plus compressé. Donc, Lato, ça marche pas. Ouais, Railway, ça marche bien pour des titres, mais pour le texte, c'est pas ouf. Bref, et si on prend Inter, juste pour être sûr, non? Inter. Inter en 16, du coup. Vous voyez, Inter, ça va être le même problème. Tu le ressens. Ah non, c'est pas ouf en fait. Ah, c'est chelou. Inter a l'air plus compressé. Mais en termes de caractère, on est quasiment similaire. Voire Inter prend plus de place. C'est chelou, hein? Roboto. On les aura toutes faites. Roboto en 16. Je vous jure, ce curseur de l'enfer, quoi. Roboto est plus condensé. Tu laisses l'utilisateur choisir sa police. Ouais, ça va finir comme ça, tu vois. Non, mais en même temps, là, je suis en train de regarder plein de trucs, mais le site, là, ça me va très bien. Je fais genre, mais en vrai. Ça, c'est quel tuto qui avait beaucoup de contenu? Attribut PHP 8. Ça c'est du Inter. Et ça est du OpenSAMP. Ouais. Mais un sans serif, on n'en parle plus. J'ai envie de faire ça en fait, de pas me casser le bol et de lui dire vas-y, prends un sans serif sinon, et prends un sans serif sinon, et basta quoi. Voilà. Voilà. Oui, donc on est gardé OpenSAN et machin. Donc au niveau des fontes, ça nous libère de Gotham Pro et ça nous libère de SF Pro. Comme c'est là, c'est très bien. Alors pour ceux qui disent, tiens, mais sans serif de bout en bout, j'ai déjà essayé. J'avais fait ça au début. Franchement, ça marchait, mais c'est les titres sont trop dégueulasses. Après, c'est sur Linux, hein, où j'ai des polices, je ne sais pas ce que j'ai comme police par défaut, mais voilà. C'est quand même mieux comme ça. Comics sans serif. Alors, ça, on supprime. Et ça, c'était les polices que j'avais pris sur un. J'avais un Rubik à un moment. Je sais pas à quoi ressemble le Rubik. En fait, là, le seul style qui me dérange. Rubik. Ah, Rubik, c'était hardcore aussi. C'est ces boutons-là. Je crois que je m'y suis fait. Et je pense qu'il mériterait d'être en open sans à la place. Donc je pense que les pills, on va les basculer en police normale. Et on va enlever ça. Parce que je trouve que sinon ça fait bizarre. Tu DL les Google Fonts pour optimiser le chargement? Non, en fait, c'est tout simplement parce que je ne veux pas dépendre de Google. Et je n'aime pas l'idée que, en fait, ça permet à Google de connaître tous les sites que tu visites. Tu vois, parce que dès que tu vas charger une fonte, tu il dit, ah tiens, bah, il est sur graphique carte ou truc. Et en fait, c'est ouais, pour éviter que de donner trop d'infos à quelqu'un qui en a déjà un petit peu trop, quoi.
C'est plus un problème éthique qu'un problème de performance ou quoi que ce soit. Au contraire, ma manière de faire les choses est moins performante parce que ça veut dire que quelqu'un qui charge mon site va devoir charger, va devoir charger la police une fois de plus parce qu'elle ne vient pas de Google en fait. Donc en termes de performance, on a une perte. Voilà. Mais c'est le seul truc où là je vais pas. Voilà, je vais pas transiger. Je veux vraiment aucun lien externe vers Google tant que possible. Alors vous allez me dire, des comptes, vous utilisez YouTube. Ouais, je sais. C'est un peu la faille de mon plan. Mais j'utilise YouTube en mode no cookie, donc c'est pas trop mal. Et je suis au courant de la remarque que vous êtes en train de faire, je suis en train de la réaliser, c'est qu'il y a une police qui est serrée et pas l'autre, et du coup ça fait chelou quoi. Ça fait chelou quand les titres sont pas en open sans. Genre ça c'est un titre je crois, vu que ça va être un card title, il va être en inter. Alors que s'il était en open sans, ça passerait mieux. Putain, c'est galère. En même temps, tout pourrait être en open sans au final. Mec, il change d'avis comme de chemise. En fait, j'aime pas jouer avec les espacements des lettres parce que c'est galère. Parce que tu dois jouer, gérer l'espacement en fait absolument partout après. Bon, au pire, on a les deux. On avisera. Mais pour l'instant, je serais tenté de foutre de l'open sans de bout en bout. Mais je suis d'accord, elle respire un peu trop peut-être. J'arrive pas à me décider, c'est un truc de fou quoi. Ah, quel enfer. Bon là, ce qui me dérange un peu sur la home, c'est ça là. Je verrais bien ça en mode plutôt muted ici, dans les lives. Donc j'ai l'impression que c'est trop collé. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais là j'ai l'impression que le titre là, il est tout collé à ça. Alors que là j'ai l'impression que ça respire un petit peu plus. Et j'arrive pas à foutre mon doigt sur le pourquoi du comment. Du coup, j'aurais tendance à faire sur la home.html.twig, la home non connectée, ici pour les lives, lui dire de mettre une classe text-muted. Peut-être même, ça mériterait presque un MT1, quoi. Mais MT1, ça va être énorme. Home list item. Sinon, j'ai qu'à ici, là, sur ce home list. Home list item. Faire un MT4 ou 3, juste pour que ça respire un tout petit peu. Et c'est la seule fois où je vais déroger à la règle des paddings et je vais mettre une couleur light.
La Cintère. Je sais pas, je suis perdu. Je suis perdu, je sais plus quoi. Là, vous me mettez le doute. Ouais, mais j'avais dit que j'aimais pas Inter pour les. En même temps. Juste un. Letter spacing, un pixel. En fait, en vrai, elle serait bien si j'avais ça, quoi. Tu vois, là, elle serait parfaite. Mais elle est pas. Elle est. Ça marche pas. Faudrait inter avec de l'espacement, mais bake in dans la police, quoi. Si je fais ça en fait, si je me dis tiens, pour la police de base, je respecte ton choix. Ça c'est quoi du coup? C'est quoi la police de mon système en fait? Ah. Ok. Oui, c'est pour ça que ça marche bien. C'est San Francisco, on revient au même problème. Foutons leur spacing en EM. Toi, t'es pas mal, t'es pas bête à ce niveau-là. Ça marcherait en vrai. Bon, on revient. On remet Inter partout. Si je remets Inter partout. Et que je mets un letter spacing global. C'est où que je définis la police? C'est là. Je vais essayer la syntaxe courte, je sais jamais l'écrire. C'est font style. Ok, font. C'est font style, on s'en fout. Font variante, on s'en fout. Font weight, on s'en fout. Font size slash line 8. Il faut font family. Donc ça fait quoi? Ça fait font 16 pixels, font. Ouais, mais en fait, j'ai pas le letter spacing, donc je m'en fous. Je pourrais faire ça et mettre un EM. Là, ça a bien respiré là. Là, je pense que ça respire bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais enfin, là, on est bien quoi. On a bien le temps de voir chaque caractère. Point 1 EM. Ouais, alors putain, tu dois vraiment faire un truc tout petit, quoi. On change plus, c'est validé. Salut, bienvenue. Le problème, c'est que si je mets 0,2. Ouais, mais même avec le letter spacing, en fait, c'est pas la même police, c'est vraiment pas la même police.
Bon, on va arrêter de jouer. Je vais passer. Je sais, c'est le genre de truc, je peux y passer des heures, quoi. Là, la seule chose peut-être qui va pas, en fait, c'est sur le card description, du coup, on pourrait avoir un font size 14 pixels. Je pense que c'est le seul truc qui va pas, en fait. Ouais, c'est ça, c'est sur les cards, en fait, ça fait trop gros. Ça fait trop gros, et c'est ça qui pose problème. Je vais pas faire de la grossophobie, mais... C'est ça le problème. Rien qu'en faisant ça, je pense que ça sera bon. C'est qu'on a pris un peu du poids avec le changement et du coup ça rendait bizarre. C'est quoi qui te gêne? Ce qui me gêne avec Inter, c'est que c'est trop collé. Les tailles des caractères sont trop collées et en open sans, ce qui me gêne, c'est que c'est trop éloigné et en fait la taille du texte ici faisait trop espacé par rapport à la taille du titre. Si on remet 16, tu vas voir. Mais là je pense qu'on a un bon compromis. Ah oui, ce truc-là, il me fait toujours chier. Ici, là, si je remets 16, font size 16 pixels, tu vois en fait. Le D et le I, ils sont proches, et le D et le A, ils sont éloignés. Donc en fait, tu as un titre qui a moins d'espace entre les caractères. Alors que là, si je fais ça, on a à peu près le D et le I, bon, qui sont quand même serrés, mais c'est moins flag en fait. Il faudrait presque ici rajouter au niveau du title un letter spacing, mais comme je disais, je suis pas très fan de... De l'idée de rajouter du letter spacing parce que ça introduit plein de problèmes parce qu'il faut penser à le changer partout, mais en fait, voilà, c'est qu'il faudrait que le titre ait un peu plus d'intercalement entre les lettres que le reste. Mais voilà, là on est pas mal, ça rend pas mal. Est-ce que j'arrive à les lire? Ouais, par contre, c'est le problème. Attendez. Alors pour ceux qui trouvent ça tout gros, sachez que en fait c'est dû à un problème. C'est que quand j'ai commencé à designer et à intégrer le site, je ne savais pas encore que je voyais rien en fait. Du coup, je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là pendant les premiers lives, je disais bah, on voit rien, c'est trop petit, 14 c'est trop petit. Ben là par exemple sans mes lunettes, j'arrive pas à lire le texte qui est ici. Ou j'ai du mal, attends. Hop. Non, c'est l'autre œil qui marche bien. Là j'y arrive, mais alors là par contre c'est impossible. Donc c'est pour ça que j'ai tout designé comme un gros. C'est parce que j'y vois rien. Mais maintenant que j'ai des lunettes et que je vois un HD full définition 4K 200 MHz, là, ben, je réalise que tout est gros, quoi. Voilà. Là, tout me fait... Ah ouais, mais tu vois, là, par exemple, sans les lunettes, tous les tutoriels, j'arrive à le lire sans aucun souci, quoi. Ou l'envie d'apprendre de nouvelles choses et maîtriser de nouvelles technos, j'y arrive. Par contre, ça, distance de l'Elephantine, j'y arrive. Et la description, c'était impossible avant. Donc c'est pour ça que j'avais... Au moins, ça me sensibilise au problème d'accessibilité, quoi. Ben, les designers, ils ont un autre problème, c'est qu'ils travaillent toujours sur des écrans qui sont énormes. Donc quand ils travaillent sur des écrans énormes, eux, ils voient pas trop que, comme je disais, sur un MacBook, penser qu'un MacBook... Comme résolution, c'est ça quoi. Et 720 en hauteur, tu réalises vite que t'as pas beaucoup d'espace quoi. Pour moi, il y a un trop gros écart entre ça et ça. Ouais, mais ça c'était déjà. Bon après on va pas revenir sur la maquette parce que là mais là c'est pas mal. Là on a déjà des meilleurs espacements. Il y a peut-être celui-là qui est encore un poil trop gros mais ça passe. Mais globalement on est largement mieux quoi. On est vraiment mieux que tout à l'heure. Ouais putain pour ce que ça change ici. Là pour moi y a... Ok.
Non, pour le coup, là, moi, j'en suis satisfait et c'est quand même important. C'est que moi, je sois satisfait de mon truc. Donc, je vais commit tout ça. Donc, on s'est débarrassé des polices qui sont propriétaires, ce qui est pas mal. Donc, là, on va mettre fixe. Changement des polices. Ouais, c'est plutôt une feature, quoi. Ouais, c'est plutôt du front. Remplacement des polices propriétaires pour des polices open libre. Avec une licence plus flexible. Yes, il a enfin validé les polices jusqu'à la prochaine fois. Non, en vrai, il y avait un vrai problème de licence sur les anciennes. Là, you can use freely for truc. Ok. Et je pense que. Je n'ai pas regardé, mais OpenSan. OpenSan, elle a quoi comme licence? OpenSan, machin, machin. You can use freely and project print or digital commercial otherwise you can sell your font on your own. Les deux, je n'ai pas le droit de les vendre, mais ça va. Ça va, c'est une limitation à laquelle je peux vivre, quoi. Remplacement des polices propriétaires pour des polices avec licence plus flexible. Commit and push, on est parti. Non, justement, ouais, on a pris des polices qu'on avait le droit d'utiliser ce coup-ci. Ça aurait été rigolo qu'une police s'appelle OpenSan et ne soit pas libre. Oui, ça aurait été, ouais, ça aurait été marrant. Donc je déploie. Ah fuck, j'ai oublié de faire un truc. J'ai oublié de bumper le package.json. Du coup, ça ne déploierait pas le CSS. Donc on passe à 0.1.19. On commit. On va mettre bump. JavaScript. Et je travaille toujours sur la branche master, ouais. Parce que pour l'instant, c'est pas en prod, mais dès que ça sera en prod, il y aura deux branches. Faudra que je voie pour déployer sur bêta et sur le site en même temps, en fait. Mais il y aura clairement une branche dev et une branche master quand on sera en publication. D'ailleurs, ouais, hier soir, j'ai travaillé un peu sur l'ancien site et j'ai mis en place le mode maintenance. Donc, je suis prêt à migrer, quoi. Beta, il a une config pour pas être référencé. Ouais. Alors, j'espère que Google honore la config que j'ai faite. Mais globalement, dans le Nginx, dans le vhost plutôt, via Ansible, si on regarde les hosts, j'ai ici un noindex qui est à yes. Et dans le vhost, si j'ai un noindex, il va rajouter ce header-là qui est le xrobot tag noindex, nofollow, nosnippet, noarchive. Par contre, il y a un truc qui n'est pas rassurant, c'est qu'il veut pas. Il veut pas. J'arrive pas à déployer. J'arrive pas à déployer. Il me dit qu'il ne trouve pas dans le dossier la font interregular. Putain, quel âne. Oui, ce qui est logique. J'ai mis la TTF au lieu de mettre la WFF, la WOFF. Donc depuis tout à l'heure, on teste avec des mauvaises polices. Ah putain, qu'est-ce que je suis con, putain, je te jure. Donc autant, la police inter, elle allait très bien et c'est moi qui. Alors, on ressort ce truc-là. Inter, 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 regular. Hop. Bon, on refait un essai.
Allez, on est reparti. Hop. Non, c'est pas là, c'est typo. On est reparti pour 1 heure. Vous commencez à connaître, c'est bon. Allez, Inter, all the way. Il y a un truc que je comprends pas. Le titre est plus petit que le reste ou c'est moi là? Qu'est-ce que j'ai fait avec ce truc là? Oh, fuck, non, dégage. Le titre, il a quelle taille? 16. C'est marrant, le titre. Attendez, hop, ça, cache-le. Non, ça, cache-le. Le titre est en 16 en inter et ça, c'est en 14,4 en inter. Et ça m'a l'air plus espacé. Il y a un truc que je comprends pas là. Non, en fait, c'est juste les lettres qui me font cet effet. Ok, on a économisé OpenSan. Allez, OpenSan, tu dégages. Hop, à 7. Ouais, moins de police, plus de rapidité. Hop, hop. C'est à cause de la graisse. Non, non, en fait, c'est que quand je regarde là, c'est le i. Le i est tellement petit que en fait, le s arrive au même. En fait, le s, tu vois, il arrive moins avant le n. Et c'est ça qui m'a donné le mauvais. Le cloud managé de chez Infomaniac est déjà tout installé ou à quoi ça correspond exactement? Alors, moi, j'ai un cloud non managé pour information. Mais en managé, je ne sais pas du tout ce qui t'installe en fait. Je ne sais pas comment ça marche. Mais j'imagine que tu as juste un accès SSH et ils ont déjà tout configuré pour toi. Ça doit être un cPanel ou autre. Je ne sais pas. Je peux leur demander si tu veux. Mais j'ai aucune idée de comment ça fonctionne en manager. Moi, j'ai choisi de faire du non manager en fait. Ok, contrôle K. Putain, là, je te jure le coup du WOF. Mais au moins, ça prouve que mon système de déploiement marche bien, quoi, parce qu'il a capté qu'il y avait un problème. Fixe, police, manquante. Et on va bumper, tant qu'on y est là, on va le faire directement. La version, on est 20. Ça fait 19 fois que je corrige le JS. Commit and push. Push. Et on redéploie. Exit. Pourquoi avoir choisi Infomaniac? Alors, j'ai choisi parmi les hébergeurs que je connaissais. Donc, j'avais Scaleway, OVH. Et Infomaniac, c'est les trois que je connais et que j'utilise. Le problème de Scaleway, c'est que globalement, il avait des. Alors j'avais le choix. Attends, là je suis sur les DDBox, c'est ça, ouais. Sur les DDBox, en fait, ce qui me dérangeait, c'était que j'arrivais pas à trouver un serveur qui avait à la fois du stockage et des trucs qui me convenaient. Et puis c'était pas scalable, c'est-à-dire que je pouvais pas modifier en fonction des besoins, donc c'était pas ouf. Et dans la partie. Ah putain, j'arrive pas à revenir sur la home. Donc c'est Scaleway Element. Bah, le problème, c'est qu'une fois que tu choisis un type, en fait. Non, c'est pas ça. C'est dans les virtuels, je crois. Ouais, c'est ça. Dans les instances. Alors peut-être c'est moi qui suis très con, mais. Ah, il va pas me montrer les prix, c'est pas possible. En résumé, j'avais pas trouvé un système qui me permettait de changer la taille en fait. Tu choisis à la volée, tiens, moi j'ai besoin de ça, et ça, t'as déjà un truc prédéfini en fait. Alors que moi j'aurais voulu un truc où je peux augmenter la RAM et diminuer le truc quoi. Donc c'était ça qui était un peu chiant.
Et pour avoir, j'avais essayé une instance de développement, c'est sur ça qu'on a mis bêta. Ce que j'aime pas trop avec Scaleway, c'est qu'il te facture à la fin et tu sais pas trop ce que tu payes à l'avance. Notamment, tu vois, j'avais mis juste en place ce serveur-là et boum, j'ai eu une facture pour du storage et une facture pour une IP statique. Donc moi, j'aime bien qu'on me dise, voilà, tu payes tant. OVH, je suis chez eux et j'aime pas le back-office de mon serveur. Et je me dis que si pour le cloud, c'est pareil, c'est moche et puis c'est pas clair. Ça m'intéressait pas, donc j'ai pas pris le risque en fait d'essayer, j'ai même pas essayé pour être honnête. Et chez Infomaniac, ce que j'aimais bien, c'était ça là, c'est que dans les non managés, tu vois, tu as les curseurs et même une fois que j'ai pris mon serveur, bah, je peux choisir d'enlever du CPU et de la RAM ou d'en rajouter si j'en ai besoin. Et donc ça me convient plus par rapport à mon besoin et ça reste pour moi un serveur SS, enfin classique à manager. Pour info, pour être super transparent, du coup j'ai choisi Infomaniac, je les ai contactés et en leur demandant, ça vous dirait un sponsoring pour le site? Et ils m'ont dit pas de problème et c'est pour ça que vous allez avoir en bas le logo hébergé par Infomaniac parce que c'est la condition du sponsoring. Mais ouais, j'avais pris eux parce que voilà, j'étais chez eux, j'avais déjà migré le nom de domaine, par exemple graphicard.fr, à l'époque il était chez OVH, et ils ont merdé un moment et ça a dévoilé mon adresse et tout, et donc j'étais pas fan. Et du coup, j'avais migré chez Infomaniac parce que je l'utilise pour un client et j'avais trouvé l'interface sympa. Les noms de domaine. Infomaniac, ils m'ont l'air plus chers quand même. Ouais, ils sont plus chers sur certains trucs. Mais après, des fois, tu as des services que tu attends pas, et pour avoir fait appel au support, il est efficace. Donc franchement. Après niveau bande passante et tout, je sais pas du tout. Il t'annonce un truc, mais je sais pas à quoi ça correspond. J'ai pas fait des tests exactement sur les performances, des trucs comme ça. Je t'avouerai que je suis pas capable de comparer les serveurs de ce point de vue-là en tout cas. Donc voilà où j'en suis. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ça. Il y en a certains qui m'ont conseillé aussi O2 Switch. Alors concrètement, j'ai regardé un petit peu. Alors je sais pas pourquoi le design me fait penser à un truc cheap, mais bon, c'est sûrement à cause du logo qui me déstabilise un petit peu. Le problème d'eux, c'est que globalement, ils ont une offre tout en un, mais je sais pas vraiment à quoi ça correspond en fait. Et puis c'est des trucs pour ce prix-là, ils peuvent pas t'autoriser à faire un clone de YouTube. Tu vois, il y a bien un moment où tu vas. Tu vois, moi, le problème, c'est que quand je vois ça, j'ai l'impression que c'est un truc chelou, tu vois. Après, ils peuvent être très bien, hein, mais ça me donne ce feeling-là, quoi. Et je veux un serveur que je puisse manager de A à Z. Je veux pas un cPanel ou un truc comme ça, donc ça me correspondait pas. Alors après, ça peut être très bien, mais et voilà. Si vous êtes designer, faites attention parce que vous pouvez avoir ce ressenti-là, et moi, j'ai ce ressenti-là d'un truc cheap, quoi. Alors désolé pour s'il y a des gens de cet hébergeur-là qui regardent. Et ensuite, Pulse héberge. Je ne connais pas aussi non plus. Mais pareil, Pulse héberge, ça m'avait semblé un peu light, tu vois, en termes de. Ça m'avait pas inspiré confiance, en fait. Comme je dis, j'ai fait un choix. J'ai pas fait le choix par rapport à tous les hébergeurs. Il y en a peut-être des meilleurs que celui que j'ai choisi. J'ai pris simplement celui avec lequel j'avais une affinité parce que bah, j'étais déjà chez eux et j'avais pas eu d'emmerde, quoi. Et quand j'ai eu des emmerdes, ils m'ont répondu. Donc depuis, je suis resté chez eux, quoi. Voilà. Et pour l'instant, pas de soucis. Donc oui. Après, bon, bah, si vous voulez, on fera des tests, on pourra le mettre ailleurs pour voir un petit peu ce que ça vaut et pouvoir faire des comparatifs. Si vous êtes intéressé par des comparatifs, si vous voulez en savoir plus sur la performance de mon serveur en l'occurrence, vous pouvez me contacter sur Discord. Si vous voulez, je pourrais lancer des commandes pour faire des tests et vous donner les stats. Parce que c'est vrai que sur les clouds, ils te disent pas trop à quoi tu as accès niveau matériel, quoi. Sur ce, les gens, je vous dis à la toute. Juste, je réponds à Alex. Pourquoi je bump la version du package.json? Parce que mon makefile détecte s'il y a eu un changement dans le package.json et c'est ce qui déclenche lors du redéploiement la compilation des assets. Donc, si je ne mets pas à jour ça, il ne recompile pas quand je fais un nouveau déploiement le JS, ce qui permet au déploiement d'aller plus vite. Donc, c'est pour ça que tu me vois bumper à chaque fois la version du JS. Ça sert à faire monter ça.
Sur ce, les gens, bon après-midi. Je ne sais pas si je referai peut-être un live ce soir ou pas, parce que j'ai envie d'un peu de déconnecter avant de reprendre le boulot lundi. Et au pire, ben, lundi soir, on se revoit pour un nouveau live, sûrement un live de préparation d'un tutoriel sur l'intégration de Vite avec Symfony. J'ai envie de faire un tuto sur ça, donc peut-être on parlera de ça. Ciao!